On aura compris que dans les communications précédentes, que le partage d'autorité, c'est devenu véritablement un enjeu d'actualité. Un enjeu d'actualité qui a également des conséquences sur la gouvernance des musées, mais je pense qu'il faut surtout y voir une magnifique opportunité pour les musées, parce que cette posture-là, elle induit d'une certaine façon des transformations importantes dans l'organisation et le fonctionnement des musées. C'est ce qu'on va entendre dans les trois communications qui vont suivre. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que parler de partage d'autorité, ça semble nouveau. Joanne le rappelait tantôt, on s'attend à ce que l'éco-musée du Fiers-Mondes témoigne de ce type d'expérience. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est partagé dans l'ensemble des musées. En même temps, c'est loin d'être nouveau. Mais ce qui est particulier, c'est que ça devient, et ça c'est heureux, c'est en voie de devenir une valeur commune pour la communauté muséale. Donc, je pense qu'on peut s'en réjouir. Mais il en reste pour moins que le partage d'autorité, il est apparu, il faut se le rappeler, avec le mouvement de la nouvelle muséologie, et on l'a évoqué plus tôt ce matin. Pardon. Ça nous ramène à la table ronde de Santiago du Chili. Mélanie Devaux l'a évoqué ce matin. D'ailleurs, ICOM et ICOFOM, au cours de la dernière année, ont souligné en 2022 le 50e, hein, ce moment historique par toute une série de colloques, de publications, et on a rappelé la grande contribution d'Hugues de Varenne, qui est d'ailleurs venu assez régulièrement à l'Écomusée du Fiers-Mondes. Ça nous ramène donc 1972. C'est un peu loin. Hein. Ça signifie quoi? Ça signifie que il aurait quand même fallu attendre 50 ans, un demi-siècle, pour que toutes ces valeurs d'ouverture et cette volonté, en fait, de centrer le musée sur les communautés, ben, ça fasse consensus, ce qui est le cas maintenant. Et si on a l'impression que ces changements-là sont récents, ben, c'est que les valeurs de la nouvelle muséologie, elles ont progressé doucement parce que, ne l'oublions jamais, ce ne sont pas tous les musées qui ont adhéré spontanément à cette posture. Et ça montre bien qu'il faut du temps. Il faut du temps pour transformer la culture commune des musées qui ont évolué assez doucement hein, depuis l'apparition des musées publics il y a quelques siècles. Donc, depuis quelques années, les changements, on le voit bien, s'accélèrent et on a la chance de participer aujourd'hui à ces grandes transformations. J'ai eu l'occasion d'observer ce passage qu'on pourrait identifier comme de l'ancien au nouveau monde des musées. Et le grand tournant, ça a certainement été ICOM Kyoto en 2019. Nada Guzin, qui est dans la salle, peut en témoigner. On a pu l'observer là-bas. Le débat autour de la définition du musée, c'est beaucoup plus important qu'on le pense, parce que ça redéfinit l'engagement que le Conseil international des musées prend à l'égard des communautés. On est entré du même souffle dans les perspectives de la décolonisation et on a pu entendre, au fond, à Kyoto, l'expression de nouvelles voix de jeunes muséologues vraiment engagés, sensibles aussi aux questions d'environnement, de justice sociale et qui voyait dans le musée l'instrument de transformation de la société. Et à ICOM Prague 2022, il y a quelques mois, la définition a été adoptée cette fois avec consensus. Et c'est très heureux ça aussi parce qu'il y a eu un changement de posture important entre 2019 et 2022. Pour que les musées soient conséquents, donc maintenant avec la définition, il faut pas l'oublier. Il fallait que ce partage d'autorité se démocratise et il est important que les musées abandonnent bien sûr la posture d'autorité en communiquant à sens unique comme ça s'est fait très longtemps et prennent leur distance aujourd'hui par exemple avec des études de public telles qu'on les menait au 20e siècle et qui servaient fondamentalement à rejoindre plus de visiteurs, augmenter la fréquentation pour générer plus de revenus autonomes. Au contraire, maintenant, il est essentiel
je pense, de s'intéresser aux visiteurs, les considérer comme des citoyens qui sont aussi des partenaires et d'une certaine manière des copropriétaires du musée, puisqu'ils participent au financement de différentes manières. Parce que, ben, comme l'a répété assez souvent Roland Arpin au tournant des années 90, le musée existe d'abord et avant tout pour les citoyens. Donc, le partage d'autorité, ça se traduit par la remise en question du pouvoir et de la culture des musées. Et donc, je reviens à la question centrale de cette table ronde. Comment cette vision et ses aspirations se traduisent-elles dans la vie quotidienne des musées? C'est ce qu'on va entendre à travers les expériences de trois personnes. Evelyne Caillouette, qui est chef de division Programme public et éducation espace pour la vie. Armando Perla, conservateur en chef, Ville de Toronto, mais vous verrez, il a occupé plusieurs postes dans différents musées. Et Pascale Grignon, directrice principale marketing, culture et inclusion du MECA. Alors, bonjour. Je suis heureuse de vous parler aujourd'hui, donc cet après-midi, j'allais dire ce matin, on est déjà rendu l'après-midi. Merci de l'invitation, donc, pour prendre la parole au sujet du partage d'autorité, qui est une question effectivement infiniment importante. Et en fait, j'ai commencé par me demander quel était justement, ben, y avait-il une autorité qui est reconnue au musée dans un premier temps? On parle de partager cette autorité-là, mais est-ce que c'est reconnu par nos concitoyens? Alors, j'ai pas eu besoin de chercher très, très longtemps. Sur le site de l'Association des musées canadiens, on y fait référence dans le cadre d'un article de Caroline Lowen, d'une étude qui a démarré en 2020, qui s'appelle « Repenser les musées », qui est une étude réalisée par un projet national d'études, en fait, lancé par l'Association des musées de l'Alberta, en partenariat avec l'Association des musées provinciales et territoriales et l'AMC, justement. Et ce que ça nous dit, ben vous le voyez, effectivement, la confiance en le discours des musées, ce qui est présenté dans les musées, ben elle est vraiment très, très forte pour l'ensemble, en fait, des gens sondés là qui représentent les Canadiens et les Canadiennes. Et c'est surtout intéressant quand on voit le contraste avec les médias d'information traditionnels, comme ici, par exemple, les quotidiens, la télévision. Enfin, intéressant aussi, cette donnée-là est plus basse auprès des répondants qui étaient autochtones, sans surprise, mais quand même à 67 %. Donc, ça demeure quand même intéressant. Pour moi, la question, donc, de dire qu'il y a bel et bien une autorité, bon, c'est un fait qu'on peut conclure ici, mais c'est surtout un grand privilège et une grande responsabilité. Et conséquemment, pour être digne de cette confiance-là, ben il y a l'attente aussi qui est ressortie tout autant dans cette étude, qui est de présenter l'histoire, les histoires sous tous les aspects qui s'y rattachent, bien entendu. Et c'est là que le partage d'autorité, le partage de pouvoir, donc, devient une nécessité, ou peut-être que ça devient possible grâce à ce partage d'autorité-là. Alors, je vais vous parler de comment ça se passe au musée MacArthur-Stewart, le partage d'autorité, le partage de pouvoir. Donc, évidemment, l'objectif étant de présenter, encore une fois, l'histoire ou les histoires sous les divers points de vue qui s'y rattachent. Alors, évidemment, je ne prétend pas, et on ne prétend pas au musée d'être vraiment parfait, c'est loin de ça, comme dans toute institution, je présume, ou assurément, mais quand même, il y a des choses qui ont été faites, et ça peut peut-être en inspirer certains. Donc, de façon générale, en fait, le partage d'autorité, vraiment, se veut être dans les différentes sphères de l'institution, vraiment de la plus haute instance, quand on parle de gouvernance, jusque vraiment dans les pratiques internes. Et donc, c'est un processus, tout ça, qui s'est fait sous de longues années, Yves mentionnait donc qu'il y a une évolution dans le domaine muséal, ben c'est vrai aussi au niveau du partage d'autorité au sein de l'institution. Donc, depuis plusieurs années, on a des pratiques en ce sens, mais je dirais qu'il y a vraiment une ampleur différente qui a été atteinte tout récemment avec le dépôt donc du plan stratégique 2022-2027, qui est un plan stratégique qui vise entre autres de raconter l'histoire de façon critique et inclusive par le biais de nos collections, mais aussi de décoloniser nos pratiques muséales. Alors, évidemment, ça amène toutes sortes de choses. Donc, c'est un processus qui est en marche, c'est un processus qui est loin d'être terminé. Je pense que c'est un processus qui est essentiel. Alors, en termes de gouvernance et au sein de l'institution, du côté du personnel, par exemple, il y a différents éléments qui sont à considérer. D'abord, une politique relative à la diversité, à l'inclusion et à l'équité,
qui a été adopté assez récemment quand même, en 2021. Et cette politique-là stipule de valoriser la diversité du personnel et des membres du conseil d'administration. Et vous voyez un certain nombre d'objectifs, là, d'augmenter de 25 % la représentativité des minorités visibles au conseil d'administration. Alors, on parle vraiment d'en haut, c'est ça l'intention, ainsi que dans les rôles de direction, par une hausse graduelle. Alors, je vais souligner, vous me permettrez, le fait qu'on est dans une mouvance de graduation, on y va tranquillement, on y va doucement, de 5 % par année. Et la même chose du côté du personnel. L'objectif, en fait, à terme, en tant que musée d'histoire sociale de Montréal, le souhait serait qu'il y ait une représentation de la diversité qui est correspondante à celle de la population au sein de l'institution qui raconte son histoire, tout simplement. Donc, en 2021, c'était 32,9 %. C'est la cible qui a été fixée à ce moment-là. Du point de vue du conseil d'administration, bien là encore, le souhait est d'avoir vraiment une diversité de voix. Alors, la parité homme-femme remonte à peut-être donc un principe qui date de plus longtemps, et c'est tant mieux. Mais donc, on est à peu près à 45 % de parité de femmes, en fait, au sein du conseil d'administration. La volonté aussi d'avoir des jeunes de moins de 40 ans, elle est affirmée. Pour ce qui est des Autochtones, il y a depuis 2019, donc au niveau des règlements généraux, deux postes élus qui sont réservés pour des personnes donc issues des communautés autochtones. Présentement, il y en a trois, dont le président du conseil d'administration, Ghislain Picard, que vous avez pu entendre ce matin, ainsi que Mélissa Molène-Dupuis, qui a aussi pris la parole et qui est également sur notre conseil d'administration. Alors, on est bien heureux de les avoir tous les deux. Ensuite, les personnes racisées sont aussi des voix qu'on veut entendre au conseil d'administration. Donc, présentement, on a une administratrice qui est issue de la communauté noire, justement. On est très heureux de l'avoir également. En termes donc du personnel, à ce jour, donc à l'année 1 de la politique de DI, on a 8 % du personnel qui se trouve être issu de la diversité, 6 % de la direction, et on a la chance de compter sur notre collègue Jonathan Lenné, à titre de conservateur culture autochtone, et qui est d'ascendance donc Huron-Wendat. Mais c'est bien beau d'avoir ces personnes de la diversité au sein du conseil d'administration, au sein du personnel. Encore faut-il qu'ils y restent, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise. Et aussi que nos équipes, à qui on demande de travailler en partage d'autorité avec leurs partenaires et tout ça, soient en mesure de le faire. Et ça se fait pas tout seul. Ça prend du soutien. Et on a mis en place, donc, dans notre cas, tout un programme de formation et de soutien qu'on a appelé le Campus McCord-Stewart, qui est un campus qui renferme qui comporte en fait des conférences, des sessions d'échange, de partage d'expertise, une boîte à outils avec des trucs très concrets à employer, mais aussi une tonne d'articles, des lectures, plein de choses, et un babillard d'échange où on peut s'interpeller entre nous, avoir accès à des personnes ressources. Je regarde Léla, qui est une personne ressource justement, auprès de ses collègues. Et ça, c'est vraiment très, très précieux de faire en sorte que l'expertise qui est développée, davantage par certains, bien, puisse rayonner, puisse se disséminer, si on veut, chez les collègues qui, à ce moment-là, bien, partent de moins loin quand vient le temps de faire des projets également basés sur les mêmes principes. Et je vous dirais que, en termes de rétention, non pas que des personnes de la diversité, mais de l'ensemble du personnel, ça fonctionne. C'est quelque chose qui résonne très, très, très bien. On a par la suite, donc, le dernier point sur cet aspect-là, un sondage sur le bien-être au travail qui s'appelle Amelio. C'est son petit nom. Et Amelio, donc, lorsqu'on demande quelles sont les principales raisons, qu'est-ce qui vous motive le plus à rester au musée McCord-Stewart, bien, la démarche de décolonisation, la démarche d'inclusion sort toujours numéro un. Alors, ça vous dit comme quoi il y a vraiment un engagement profond des équipes dans cette démarche-là. Amelio aussi permet aux gens de soumettre des suggestions, des idées, non pas que par rapport à ces sujets-là, mais par rapport à l'institution en entier. Alors, pour moi, c'est une autre façon de partager le pouvoir, de s'assurer déjà que les idées de chacun puissent remonter, comme on dit, et être pris en considération pour changer l'institution sur toutes sortes d'aspects. Puis ensuite, il y a le comité consultatif autochtone qui n'est pas au sein de la gouvernance à proprement parler, mais Jonathan en a bien parlé ce matin, donc il a vraiment un rôle d'influence excessivement important pour l'institution. Et donc, j'ai tenu à le mentionner ici.
Enfin, dans les pratiques pour donc dans nos pratiques auprès de l'externe, auprès de nos partenaires, des communautés, ben j'avais noté tout ceci, mais je pense que ça a été dit en long et en large par le panel juste avant. Alors, je vais y aller vraiment très très rapidement. C'est certain qu'il y a des principes, des pratiques de décolonisation, des pratiques à mettre en place qui favorise un travail qui se veut positif et le partage d'autorité dans ce contexte-là. Donc, l'amplification des voix en mettant, en amplifiant en fait les voix directes de commissaires, d'artistes issus de la diversité qui vont donc travailler avec nous, comme on a pu le voir dans le panel juste avant. J'ai évidemment une pensée toute particulière pour Elisabeth Kane, qui a été évidemment au centre de l'exposition « Voix autochtones » d'aujourd'hui, qui est juste à côté, que j'aurais... J'espère que vous aurez l'occasion d'aller y jeter un œil avant de quitter aujourd'hui, et qui donc... a travaillé très, très fort avec nous, justement, pour aboutir à ce qu'on présente aujourd'hui. Ce n'est pas un processus qui est facile, parce que ça nécessite les éléments suivants. Ça nécessite donc que la musique décide d'être au service d'une parole qui n'est pas la sienne, mais vraiment d'être à ce service-là, de respecter donc les fonctionnements, les rythmes, on en a parlé tout à l'heure, les approches de comprendre que le partage d'autorité, c'est aussi de ne pas garder nos façons de faire, en fait. Et c'est pas toujours facile, de part et d'autre. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'écoute, une relation, donc, qui est solide, qui est égalitaire au sens où on souhaite que les deux parties en ressortent satisfaites tout autant l'une que l'autre. Et donc, vraiment, cette réciprocité-là, cette empathie-là, cette confiance-là, le respect mutuel est quelque chose, évidemment, absolument essentiel. Maintenant, pour parler... Wow, il manque une diapo. Ouais, il y avait une diapo supplémentaire qui s'est perdue en chemin. Bon, ben, je vais vous la dire sans le support visuel. Donc, le dernier point était en fait au niveau des pratiques à l'interne. Comment le musée fonctionne? C'est 5, ça? C'est un 5? Oui, OK. Comment le musée fonctionne dans ses pratiques de façon... donc, vraiment à l'interne. Alors... On a développé des façons de fonctionner qui sont vraiment orientées sur la collaboration, l'accès à l'information, une communication plus fluide justement entre les différentes expertises qui collaborent dans un même projet, ainsi que le respect des différentes expertises, l'intention étant qu'on puisse bénéficier de l'apport de chacune des expertises au moment voulu, au bon moment, pour qu'elles puissent toutes avoir donc une influence sur le résultat du projet commun. Alors là encore, c'est pas parfait, c'est un processus qui est en évolution, c'est un processus qui a aussi beaucoup évolué au cours de, je dirais, plus ou moins 5 ans, plus spécifiquement, mais plus récemment, donc, on a abouti, si je peux m'exprimer comme ça, avec une mouture j'allais dire presque amicalement ou amoureusement, l'équipe inter, hein, qu'on entend beaucoup, qui est pour interdépartemental, évidemment. Alors, cette structure-là ou cette façon de fonctionner-là est très collaborative. Elle est née d'abord du développement des expositions, mais c'est une façon de travailler qu'on considère suffisamment heureuse pour vraiment l'utiliser aussi pour d'autres types de projets. Alors, la composition est vraiment celle qui concorde finalement au projet qu'on va réaliser. Dans le cas d'une exposition, par exemple, elle est composée d'un chargé de projet ou d'une chargée de projet aux expositions, de la personne à la conservation qui est responsable de l'exposition, d'une personne en communication marketing et de la chargée de projet qui sera responsable du projet du côté de l'action éducative, culturelle et citoyenne, d'une personne à la restauration, d'une personne à la diffusion numérique et d'une personne aussi à la gestion des collections. Alors, tout ce beau monde-là, forme l'équipe inter. Et là, il a fallu déterminer comment on allait fonctionner, hein, parce que c'est bien beau. Là, je vois Mélanie qui sourit parce qu'elle était au musée à ce moment-là. Alors, ça rappelle toutes sortes de souvenirs, j'en suis certaine. Donc, il a fallu déterminer ensuite, mais comment fonctionnons-nous pour que vraiment on aboutisse à quelque chose? Donc, il y a un processus qui a été clairement établi, un processus qui identifie les responsabilités de chacun, et l'une de ses responsabilités principales, c'est de faire circuler l'information au sein de son service pour que, donc, l'information circule, comme je vous disais, mais aussi de ramener les avis, les pensées, les idées de son service également au sein de l'équipe. Ensuite, on identifie
qui est impliqué à quel moment. On indique aussi quelles sont les étapes clés du développement, dans ce cas-ci, d'une exposition, et quels sont les objectifs communs à remplir à chacune de ces étapes clés-là, dans le but, bien évidemment, d'aboutir, encore une fois, en toute bonne collaboration au résultat voulu. Des rencontres régulières, on parle de co-création, on parle d'échange d'expertise, on parle d'échange d'idées, de partage aussi d'informations, beaucoup, et de bilans finaux communs, bien entendu. Et dans ces bilans-là, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on évalue, oui, évidemment, ce qui a été livré, donc une exposition ou un projet, mais également, on évalue les processus qui ont été en place pour se rendre à l'aboutissement du projet, et donc, on est en évaluation constante du processus de travail. Tout ça nous a amené aussi à une migration. Voyons, j'arrête pas d'accrocher ces micros, je vais m'éloigner. Tout ça a amené aussi à une migration vers des outils de travail collaboratifs. La pandémie a évidemment été, disons, aidante dans cette circonstance-là, d'une certaine façon. Mais de façon générale, donc, des méthodes, des outils davantage collaboratifs et aussi, encore une fois, pour favoriser davantage de partage de l'information. Alors, voilà pour le concept de l'équipe Inter, qui, je dirais, fonctionne assez bien. Je vois mes collègues qui hochent la tête, alors on est d'accord là-dessus. D'autres façons de partager le pouvoir au sein de l'institution également, il y a une multitude de comités, mais en tout cas plusieurs comités, c'est très certainement, qui font en sorte que des gens de différents services, mais aussi de tout niveau de l'institution, de tout type de poste, sont invités à prendre part à la réalisation des projets de ces comités-là. On parle de comité des valeurs, comité de développement durable, comité de santé, sécurité, bien-être et expérience visiteur, qui est un comité qui existe depuis 5 ans et qui a vraiment amené des changements en profondeur dans la façon de réaliser les projets ou en tout cas offrir un parcours à nos visiteurs, à nos publics. Puis finalement, je me disais en fin de parcours qu'il y a aussi le mode de gestion collaboratif dans la mesure vraiment du possible. On essaie d'être le plus interdisciplinaire possible. Là encore, la COVID nous a amené à travailler de façon très rapide et très grande cohérence pendant près d'un an et demi, 2 ans. Mais on a développé la stratégie numérique vraiment en mode aussi transversal, ainsi que le dernier plan stratégique dont je vous parlais en tout début. Donc, notre plan stratégique qui a été réalisé en impliquant l'ensemble des services, en ayant vraiment la table au noyau de discussion et de planification, Jonathan Lenné aussi, notre conservateur, donc qui est de la culture autochtone, oui. Et aussi, ça a impliqué une consultation de l'ensemble du personnel, des membres, des publics, bref, plus de 100 personnes, dont des organismes communautaires ont aussi été appelés à dire un mot et ont fait une différence dans ce plan stratégique-là. Donc, c'est un aperçu du partage d'autorité tel qu'on le voit au musée. Encore une fois, c'est un processus qui est en marche, qui est en bonification continuelle, mais qui a, je pense, vraiment, qui est vraiment nécessaire, quoi. Alors, je vous remercie. Donc, je m'appelle Evelyne Caillouette-Ashby. Je suis chef de division programme public et éducation à la biosphère, donc au sein d'Espace pour la vie. Puis, je vais commencer par... peut-être, je pense que c'est important juste de vous faire part de mes billets puis de ma posture. Donc, qui est devant vous? Je pense que ça en dit long sur ce que je vais vous présenter. J'ai eu plusieurs personnes dans la salle que j'ai côtoyées étrangement dans différents moments de ma carrière. J'étais très émue ce matin quand on a parlé d'Elisabeth Kane. J'ai eu la chance d'être assistante de recherche avec elle jadis quand je faisais ma maîtrise en muséologie. Ça impliquait de vivre ensemble pendant 3 mois dans une maison sur la Côte-Nord sans eau courante. Donc, ça rapproche. Elisabeth est vraiment une des personnes qui ont fondé ma pensée en tant que professionnelle, en tant que muséologue. Et puis, voilà, je tenais à la saluer aussi parce qu'elle a été très marquante pour moi. Donc, j'ai une formation en anthropologie, en muséologie. J'ai travaillé aussi longtemps pour le Centre d'histoire orale et de récits numérisés de l'Université Concordia. J'ai aussi des anciens collègues dans la salle. On se disait tout à l'heure, justement, que tout le concept de partage de l'autorité, c'est drôle parce que nous, on en parlait en histoire orale déjà il y a 15 ans avec le fameux livre de Michael Frisch, Shared Authority. C'était tout à fait... Tout à l'heure, on demandait à Catherine Charlebois, est-ce que les gens sont troublés quand on fait entrer l'histoire orale au musée? Oh my God, oui! Oui, toute l'histoire de partager l'autorité dans la construction du discours, c'était tellement choquant il y a 15 ans. Je me suis retrouvée dans des colloques d'historiens où on se faisait pas lancer des tomates, mais c'était tout juste. Donc, je suis très, très contente de voir qu'il y ait une journée d'études aujourd'hui dans le milieu muséal où cette chose semble aller de soi. On en a fait en titi du chemin. Donc, maintenant, je suis à la biosphère.
La grosse boule, donc ce n'est pas le biodôme. Je sais, tout le monde se confond, c'est normal. La biosphère, c'est le superbe dôme géodésique sur l'île Sainte-Hélène, donc un restant, si on veut, de l'Expo 67, évidemment, donc ancien pavillon des États-Unis, conçu par Richard Buckminster Fuller et Sadao aussi. Un symbole fort. Chaque fois que je vois, là maintenant que je travaille à la biosphère, je vois la biosphère partout, là, mais chaque fois qu'on voit un skyline de Montréal, là, une ligne d'horizon, il y a toujours la biosphère là-dedans, mais je suis persuadée que la moitié des gens, sinon plus, ici ne savent pas qu'il y a un musée dedans et qu'on peut entrer dedans la boule. Donc, on travaille fort à Espace pour la vie, puis on va travailler fort là-dessus sur les prochaines années. Le musée existe depuis longtemps, il existe depuis 1995. Il était géré par le gouvernement fédéral, donc Environnement et Changement climatique Canada. Il y a eu un changement d'administration durant la pandémie. Le musée a fermé. Le transfert s'est fait du fédéral à la ville de Montréal. Puis quand on a rouvert en août 2021, oui, Olivier, oui, c'est ça, toute l'équipe, en fait, il restait une personne de l'ancienne équipe. Donc, toute l'équipe de la biosphère actuelle est nouvelle et on est en train de réinventer ce musée qui a une histoire fascinante et qui est méconnue, en fait. Mais voilà, on le réinvente puis on espère donner envie aux gens de venir rentrer dans la grosse boule, qui n'est pas loin, ceci dit, hein, à une station de métro de Berry-UQAM. On n'est pas si isolé, même si on est littéralement sur une île. Donc, intégration à Espace pour la vie au printemps 2021. Espace pour la vie, vous le savez, donc ça inclut maintenant 5 musées, le biodôme, la biosphère, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium Rio Tinto Alcan. Donc, on est les 5 doigts de la main, c'est quétaine comme ça, mais c'est vrai. À la biosphère, on s'intéresse à l'environnement. Donc, on est un peu un des musées qui a la pensée plus méta ou macro à côté de nos collègues. Donc, on n'a pas de collection, ni vivante, ni collection tout court, ni animaux, ni plantes, ni insectes. Donc, on est vraiment plutôt un centre d'interprétation, si on veut, là, pour utiliser un ancien langage. Je ne sais même pas si c'est encore en vigueur, cette appellation. Je me suis amusée hier à chercher... je voulais nous positionner un peu, là. On parle de gouvernance, on parle de partage d'autorité à l'intérieur d'un système de gouvernance. Je tenais à... Je peux-tu... y a-tu comme un laser là-dessus? Oh, yes! OK. Le service Espace pour la vie est ici. C'est un des services de la Ville de Montréal. Catherine, avec le service de la culture, vous êtes juste ici. Donc, le MEM est dans cette petite boîte-là, puis nous, on est dans cette petite boîte-là. Il y a presque 30 000 employés à la Ville de Montréal. Moi, je viens d'arriver, hein, avant d'arriver à la biosphère, j'étais pour une firme de design d'exposition, d'expérience de visite privée. J'étais consultante, et puis là, je suis entrée dedans la grosse machine, puis dedans l'organigramme très structuré de la ville. Je découvre des affaires, c'est fascinant. Non, j'ai pas fini. Merci. Je me fie sur toi pour m'accompagner. Mais je trouve ça fascinant de réfléchir au partage de l'autorité dans ce contexte-là. Veux pas, on est des fonctionnaires, on gère des fonds publics, tout est structuré, il y a des procédures pour tout, on peut pas dépenser 25 sous sans le justifier, puis c'est normal, il faut que ce soit comme ça, on gère l'argent qui appartient à tous et à toutes. Ça impose, ceci dit, une certaine structure, puis ça me... je vois des gens qui rigolent. Ça impose une certaine structure, mais je pense qu'il y a moyen, à l'intérieur de cette structure-là, de je fais un mouvement, là, j'ai pas vraiment de verbe, là, mais de faire sa place ou de créer des petits carrés de sable, en fait, à l'intérieur desquels on peut partager l'autorité. Je sais pas si c'est Catherine ou Olivier ce matin qui mentionnait le plan stratégique Montréal 2030. C'est quand même important de mentionner que, bon, tous les employés de la Ville de Montréal doivent travailler ensemble de concert pour atteindre les mêmes objectifs. Puis il y a quatre orientations principales qui sont vraiment, en fait, moi, mes objectifs de performance, là, comme gestionnaire, quand je suis évaluée à la fin de l'année, c'est basé sur Montréal 2030. Puis je pense que c'est extrêmement pertinent de voir que, bon, accélérer la transition écologique, oui, ça va de soi, mais renforcer la solidarité, l'équité, l'inclusion, ça fait partie de nos objectifs de performance. Donc, on est évalué là-dessus en tant que gestionnaire. C'est quand même, ça dit quelque chose.
Même chose pour la troisième orientation, d'amplifier la démocratie et la participation. On est tenu de le faire. C'est pas comme si on avait le choix, c'est rendu intégré. Maintenant, comment on le fait? Ça, c'est une autre question. Bon, stimuler l'innovation et la créativité, évidemment. Ce que je vous présente là, c'est notre nouvel intitulé, notre nouvel énoncé de vision, je pense que c'est la version 18 là, ou 22. À chaque semaine, on modifie un mot, on change une virgule. Donc ça date de cette semaine. C'est vraiment tout frais. Puis peut-être que je reviendrai vous parler dans un autre contexte, puis ça sera plus ça, mais enfin, ça évolue. On situe d'abord le lieu, l'ancrage local est très important pour nous, donc situé sur le fleuve, entre la nature et la ville. La biosphère est un lieu inclusif et incontournable qui met en relation l'art, la science et l'action citoyenne afin d'amener l'humain à vivre en harmonie avec la nature et à agir pour la transition socio-écologique. En tout cas, moi, je lis ça, puis ben, je l'écris aussi, mais ça m'inspire en Titi. Donc, voilà ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de devenir. C'est pas simple. On espère qu'en 2030, on sera exactement cette définition. On n'est pas encore incontournable parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on existe, mais bon, hein, c'est l'objectif. On va y arriver. Même chose, donc. J'avais envie de partager avec vous un peu notre structure décisionnelle interne en ce qui concerne la programmation. Ce n'est pas la structure de gouvernance de l'institution comme telle, mais en ce qui concerne la programmation, comment on décide de ce qu'on programme, des expositions qu'on fait, des activités de médiation culturelle, scientifique, artistique qu'on fait, ou médiation citoyenne aussi. Alors, en fait, comment on le conçoit pour l'instant, c'est qu'on a différents comités, évidemment, qui sont tous interreliés et qui fonctionnent de façon assez linéaire, j'ai envie de dire, même s'il y a plein de réseaux de relations là, qui ne sont pas illustrés sur la diapositive que vous voyez. On a d'abord un comité de gestion qui est tout petit, parce qu'on est deux gestionnaires à la biosphère, moi et Isabelle Saint-Germain, la directrice du musée. Donc, nous, on s'occupe de la gestion courante et stratégique de notre équipe, du bâtiment, de notre institution, en fait. On élargit lorsqu'on commence à parler de programmation plus en détail et de façon, en fait, pas en détail, mais de façon stratégique, on élargit avec un comité d'orientation dans lequel on invite deux professionnels, dont une qui est dans la salle, conseillère et une agente culturelle avec qui on discute de nos grandes orientations stratégiques de programmation. On est en train de travailler sur les thématiques des prochaines années, donc comment on veut organiser notre programmation. Le sujet qu'on traite, c'est l'environnement. Là. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un sujet un petit peu large. Puis on n'a pas de collection, je le répète, donc tout ça est très... on peut parler de l'environnement de 3000 façons différentes, donc on est en train de préciser un peu notre regard ou de choisir les paires de lunettes qu'on va vouloir porter dans les prochaines années. Et on est en train de se définir justement à mi-chemin ou non, c'est pas vrai. À l'intersection de l'art, de la science et puis des initiatives citoyennes aussi. Donc, on veut vraiment faire entrer en relation ces trois points de vue-là pour créer cet espace de dialogue. On veut s'éloigner d'un discours qui serait polarisant, moralisateur, ce qui est assez facile dès qu'on parle d'environnement, de commencer à juger les choix puis les actions individuelles, puis de faire sentir les visiteurs comme étant vraiment poches, puis ils retournent chez eux en se disant que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Puis on ne veut pas faire ça, OK? On veut que ce soit un lieu stimulant où on a envie de parler d'environnement, on a envie de confronter nos idées, puis de sortir du discours d'un sac en plastique, c'est la fin du monde, puis il ne faut pas avoir de VUS. Il y a autre chose à se dire autour de l'environnement. Donc, ces grandes discussions-là, on les a beaucoup au comité d'orientation. Et donc, c'est là qu'on développe nos grandes orientations stratégiques. Puis, on fait appel à un comité. Pour l'instant, on en a eu un. On commence. Hein? Ça fait un an et demi qu'on est là. Donc, un comité consultatif externe, surtout pour évaluer nos hypothèses, nous challenger, nous dire « Oui, mais as-tu pensé à ça? Ça, c'est pas une bonne idée. » Ou « Il y a tel artiste ou tel sujet qui serait plus intéressant. » Donc, on se met au défi en ouvrant avec un comité d'experts et d'expertes qui ont des expertises. C'est un peu répétitif, mon affaire. Qu'on n'a pas nécessairement à l'interne.
Donc ça, c'est très précieux. Et ensuite, une fois que les projets sont approuvés, si on veut, bien, on tombe en comité de suivi, donc avec les personnes chargées de projet à l'interne, les techniciens, les médiateurs, médiatrices, etc., qui, eux, parfois, vont faire appel à des jurys de sélection ou d'autres comités pour spécifiquement pour sélectionner des œuvres, par exemple, sur un projet précis. Puis après, bien, il y a toute la validation technique qui est aussi importante. On parle de partage de pouvoir, là, mais souvent, il y a un partage de pouvoir à l'interne, il y a un partage de pouvoir à l'externe. Il y a plein d'enjeux. Chaque expertise, en fait, doit être amenée autour de la table, ce qui est assez critique aussi dans la production de la programmation. Puis, je n'ai pas mentionné les deux comités qui sont là, mais ils sont très importants aussi. Donc, moi, je suis redevable, si on veut, au comité de programmation d'espace pour la vie, qui regroupe les chefs de division, comme moi, des 5 musées. Donc, on s'assure qu'à Espace pour la vie, on est cohérente dans nos offres, qu'on n'est pas en train de dire le contraire l'un de l'autre ou de faire la même chose, puis d'être redondant. Donc, on se rencontre fréquemment pour s'assurer qu'il y a une cohérence entre nous. Puis de la même façon, Isabelle Saint-Germain, la directrice du musée, rencontre fréquemment le comité de direction d'Espace pour la vie qui regroupe les 5 directrices et directeurs des musées. Donc, pour l'instant, ça se passe comme ça. Je suis très nourrie par les discussions d'aujourd'hui. Puis tout à l'heure, avec Joséphine, ma collègue, on prenait des notes. On a des comités qu'on veut mettre en place qui ne sont pas encore tout à fait là, mais bon, je vais vous en parler un peu. En fait, surtout pour notre salle citoyenne, là, je pense qu'on a des bonnes idées qu'on va discuter. Un des premiers gestes qu'on a fait, Isabelle et moi, quand on est arrivés en poste, c'était d'identifier un espace qu'on voulait redonner aux citoyennes et citoyens. C'est un espace sur lequel on ne veut pas avoir de pouvoir. Ou enfin, c'est pas vrai, je vais être honnête. C'est sûr qu'on aura toujours le pouvoir de l'argent, le pouvoir des ressources humaines, mais on veut pouvoir redonner la possibilité aux groupes de citoyens, aux organismes, de choisir les sujets qui sont abordés, la façon dont on en parle, toujours en lien avec l'environnement, évidemment, puis la mission du musée. Puis on est en train de plancher sur la mécanique. En fait, comment on va faire ça concrètement? Qui va sélectionner les projets? Est-ce qu'on a un comité citoyen qui décide des expositions qui sont présentées? Est-ce que le budget est-ce qu'on dit, voilà, vous avez une enveloppe de X 1000 $ puis arrangez-vous avec ça. Puis nous, on vous offre notre temps puis notre expertise en appui. Donc, tout ça est à déterminer, c'est encore pas sûr. oui, certainement. Puis d'ailleurs, la première expo qu'on a présentée, c'était justement, bon, on a ouvert le musée, il fallait qu'on présente quelque chose, puis on a fait un exercice de consultation citoyenne. Donc, ce que vous voyez là, c'est une expo qui s'appelle « Rêver la biosphère », où on posait la question aux gens. De quoi avez-vous envie d'entendre parler quand vous venez à la biosphère? De quoi êtes-vous écœuré d'entendre parler quand on parle d'environnement? Et puis, c'est quoi les angles morts? C'est quoi les sujets dont on ne parle pas assez? Puis, les réponses qui sont sorties sont hallucinantes. On nous parle beaucoup de justice climatique, d'éco-anxiété. Enfin, il y a une matière très, très riche dans le résultat de cette consultation-là qui va nourrir, en fait, la programmation des prochaines années. Je regarde. Yves, ça va? OK. notre comité consultatif externe à qui on a fait appel pour la programmation artistique nous a beaucoup aidé à sélectionner les premières expositions en art visuel, en art actuel qu'on a présentées. Donc, on a encore une exposition de Hua Jin, parfois on regarde, parfois on voit, qui est présentée à l'extérieur du musée, donc du métro jusqu'à la biosphère. Et puis, on présente également une exposition de Juan Ortiz Apuy, Tropicana, a été produite par Vox, le Centre de l'image. Donc, ça, c'est un exemple parfait pour nous on soumet des hypothèses à un comité, on se fait challenger, on se fait donner des meilleures idées, puis c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on arrive avec une programmation qu'on veut le plus inclusive possible. Et dernier exemple, avant de vous quitter, c'est le projet transversal « La nature près de chez vous ». Donc, ce projet-là est piloté par la biosphère, mais c'est un projet qui inclut les 5 musées d'espace pour la vie. C'est un projet qui est né au début de la pandémie. Les musées étaient fermés. Tout le monde se demandait comment rejoindre les citoyens et citoyennes alors qu'ils ne peuvent pas venir nous visiter dans les institutions. Puis on est sortis des musées, on est sortis dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, toute l'île, rive nord, rive sud. On s'est promené. Et puis, ce qu'on a fait la dernière année, en fait, c'est vraiment de travailler avec des organismes pendant plusieurs mois avec un processus de co-création où on a posé la question, qu'est-ce que c'est la nature près de chez vous? En milieu urbain, évidemment, mais ça représente quoi? Est-ce qu'il y a un fleuve, une rivière, un grand parc? Au contraire, tout est bétonné, on est dans
un îlot de chaleur, qu'est-ce que c'est la nature près de chez vous. Puis ensemble, on a co-créé, on a designé des micro-musées qui sont des installations, des dispositifs muséographiques, en fait, qui se promènent dans les communautés pour aller mettre en valeur les sujets, les thèmes qui ont été identifiés par les communautés dans le format et avec l'expérience visiteur qui a été choisie par la communauté aussi. Donc, ce sont des prototypes qu'on a créés cette année. Ils sont en circulation dans les communautés. Puis l'objectif, c'est de créer le résultat final l'année prochaine. Non, cette année, 2023, on y est. Donc, c'est les trois projets dont je voulais vous parler. J'espère pouvoir vous reparler dans un an ou deux quand on aura avancé, puis vous montrer encore plus de comités puis plus de résultats. En attendant, je vous invite à venir nous voir à la Biosphère. Je suis très content d'être de retour ici sur les territoires non cédés de la nation Kanien-Gehaga. Je veux aussi reconnaître que moi, je suis arrivé ici, dans ces parties du continent, parce que moi, j'ai été persécuté à cause de la violence coloniale de mon pays d'origine, le Salvador. Violence coloniale qui a pris forme dans l'homophobie et la transphobie. Puis aujourd'hui, je vais parler, mais je vais demander, je vais poser une question, puis est-ce qu'on peut vraiment partager l'autorité dans les musées? Je pense qu'on a entendu tout le monde parler, tout est beau, tout est vraiment beau quand c'est la majorité qui garde l'autorité, qui garde le pouvoir. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est nous, l'autre, qui arrive dans des postes de direction, dans des postes où on peut vraiment changer l'institution? Est-ce que ça va bien ou ça va pas? Bien, je pense que je vais faire ma présentation dans les deux langues, anglais et français, parce que moi, j'ai beaucoup de screenshots pardon, en anglais que je vais lire. Puis, je vais nous ramener à l'été 2020, quand on a commencé à faire des mobilisations partout le Canada. C'était nous, les employés du Musée canadien pour les droits de la personne, qui on a commencé à faire les mobilisations. C'était mon amie Tiane, qui était là, qui est une femme noire, c'était la communauté LGBTQ qui a commencé la campagne qui s'appelait hashtag CMHR Stop Lying. Et beaucoup de nous ont aussi partagé nos expériences de racisme, d'homophobie et d'autres formes d'oppression dans les musées. Je si voulais montrer l'image de Lucy Bell qui a aussi parlé contre le musée royal de la Colombie-Britannique qui est vraiment devenu iconique aussi dans le mouvement. Moi, j'ai tracé aussi c'est ce que ça fait. Puis, plus d'une vingtaine de musées ont aussi, ben, des employés des musées ont aussi commencé à faire la même chose à travers le Canada. Alors, on n'était pas seuls. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça s'était passé ça fait 2 ans et demi déjà. Puis, beaucoup de musées ont mis à faire des promesses. Ils ont dit qu'ils allaient changer, qu'ils allaient vraiment prioriser la décolonisation, qu'ils allaient mettre des plans stratégiques avec la diversité, l'inclusion, l'équité et tout ça. Tout des mensonges. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bon, je vais commencer aussi avec les paroles de mon ami Puwai Cairns, qui est une curatrice, une commissaire Maori, Te Papa. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a travaillé aussi à Te Papa. Puis elle dit que single Maori are brought into teams of non-Maori for specially created positions, usually to help with cultural awareness, a panacea for all things culturally ignorant. And they become the person who has to not only become the native Wikipedia for that team and do their own job, but accommodate microaggression, structural racism, and operate in isolation from a wider sense of connected Maori community within the organization. So that's exactly what has happened in the last 2.5 years. Many of us have been brought to these institutions to do exactly that. Many of us have left our jobs. We've been fired, we have burned out, we've ended up in hospitals because we have had no support. So I started, I have had 3 prominent jobs in the museum sector in the last 2.5 years. I've had more before that. But just in the last 2.5 years, each one has been worse than the one before. So last year, I started a job as a chief curator for the city of Toronto. I was the first racialized and openly and flamboyantly queer person to take that position. And so right in January, just as the moment that I started, there was articles starting to come up. So this is one of them. It was supposed to be written as a welcoming to me from the Friends of Fort York, a museum that is associated with the Toronto History Museums. It is not Toronto History Museums. I have to make sure that we, you know, I clarify that. It is an association, though, that it is related to them.
And this is, again, a patch, you know, a page of garbage that they publish. And these are some of the excerpts that came out of there. So they say, well, in Sweden, Perla heard of, oh, yeah, but the title, right? City hires human rights activists as new chief curator. So they were making sure that, you know, like the activist was something that was really stressed all the time because, you know, they wanted to make sure that people understood that I was not objective. And this is something that we're going to come back. So while in Sweden, they say, Perla heard of plans for the Human Rights Museum in Winnipeg and subsequently became a founding curator. Spending some 10 years at the institution, paradoxically, it was not, as he explains in an extensive interview on the website of the organization Museum Professionals of Colors, an especially happy time. And in an article in the fall of 2020 edition of News magazine published by the Canadian Museums Association, he recounts the explosion of accusations of racism, homophobia, and sexual harassment that had led to the resignation of the museum CEO that summer. Again, they say accusations. However, there was an independent investigation led by a human rights lawyer that sided with us. There's a whole report as well that came out of it. Perla's most recent job, which lasted only one semester, right, we have to stress that, was in the University of Toronto's graduate museology program, where he was an assistant professor in decolonization and race in museums and heritage. I was also brought in there to help them decolonize the curriculum, but I'm not going to go into that because that's a too long story for another presentation. So in the article, they also continue saying that his updated LinkedIn profile identifies him as a curator, academic, consultant, and activist, and reflecting the language of his new employer, a specialist in anti-racist and anti-oppression museum practice. He declares museums are not neutral. Again, right? And right after they said, conventionally, the qualifications for chief curator would include an academic background in history, museum studies, or conservation, a passion for and expert knowledge in the history of Toronto and its material culture, and an understanding of the political neutral values of the public service, including a respect for the diversity of public opinion. While Perla ticks off only a few of these boxes, he's exquisitely aligned with the museum system's new focus on anti-racism, anti-oppression, and decolonization. However, here they don't mention that I spent 10 years at the Human Rights Museum, that I traveled two or three times a year to Toronto, that I knew the history, that I developed human rights histories about Toronto for that museum. They also forget to say that I do have a background in law, and they never challenged the two previous chief curators for the city of Toronto, who are two white men who were not historians either. So another article that came out in July when I was at the hospital, because I also ended up spending time at the hospital because of the burnout that I experienced, is this one. And so it was written by Larry Ostola, who served as Vice President of Heritage Conservation and Commemoration at Parks Canada and Director of Museums and Heritage Services at the City of Toronto before I started my post. So the title of the article is Toronto's Fort York is Under Attack Again. This time it's an inside job. Of course, it's me, right? The inside job. So he goes and he says, further clues regarding a new set of objectives at the city's museums are revealed in the many public statements of Armando Perla, who was appointed chief curator of Toronto's museum system earlier this year. Perla previously served as researcher and curator at the Canadian Museum for Human Rights in Winnipeg and as head of human rights at the Montreal Holocaust Museum before relocating to Toronto. Notably, his training is not as a historian, again, right, but as a human rights lawyer, and it appears his true passion is activism. And it is, actually. During his time at the CMHR, Perla was embroiled in public uproar amongst museum staff who claimed their human rights were being violated by the museum itself. Again, right, it's about claims. And like I said, there was already a report, two big parts of that report. He continues and says, in a lengthy 2020 essay posted to the Canadian Museums Association website, Perla laid out his view on the state of Canada's museums and what needs to change. To be brief, he's not a fan of Canadian history or Canadian museums. Institutional racism and the upholding of white supremacy is a structural problem that is pervasive in the museum sector across the country. Museums and universities, some of the whitest institutions in the Western world, have been tools in the maintenance and dissemination of colonial thought, Perla writes. I stand by everything that I've written. And I'm glad that they did that because I get to, you know, I get to show you now. So
In Canada, the museum sector has deliberately chosen to ignore the prevalence of systemic racism and to actively uphold the status quo. The solution, Perla says, is grounding museum practice in anti-oppression, human rights, and other social justice frameworks. To this, he adds, for a long time, many of us BIPOC museum professionals were isolated in our work dismantling a system that oppresses us and continues to uphold the status quo. Taken at a face value, Toronto's strategic plan for its museum system and the public statements of its chief curator offer a vision of the museum that is radically different from its traditional conception. This is interesting, right? Because they're taking the time to define what the museum is. So where once they were repositories of history as it actually occurred, or of art as it actually was created to be appreciated and enjoyed for its beauty and the meaning by every visitor in their own way, now they are to be tools for the dismantling of those very stories and the furtherance of a specific progressive identity ideology. Back in the day when I was still trying to fit in. Oh, 5 minutes. See, just a note, not a fan of Canadian history, right? And again, I'm going to go a little bit faster in here, but again, it just goes to a lot of the same thing, right? That, you know, it says that, but what they're trying to do in here is to show that because I wasn't born here, then I don't love Canadian museums and I don't love Canadian history, right? It's always about othering me. And this has been since I started working in the museums. This isn't particularly of Toronto, right? It is particularly of the sector here in Canada. I've been told the same thing over and over again since I started working here. So just before the holidays, the same week that Greg Hill was actually let go of the National Gallery of Canada, I was also informed that the City of Toronto had decided to terminate my employment without a cause because of an organizational restructuring. And so I went in my holiday that I had already planned for a long time ago. And again, I was, you know, posting my Instagram like I always do about what I do. And a lot of that involved me trying on clothes or going to the gym or eating or doing whatever, and trying on clothes that, yes, are genderless or that are labeled as women's clothes, which I guess upset people, right? And so someone took the time to go and make an anonymous account and to post a reply to what I had said. And so I had said as well that I was, the toxicity I had experienced in the past was starting to fade away. So they responded, "That's ironic, Armando. You spread toxicity as if it is your right to inflict it on others as a badge of righteousness. You are the poison. Look deep, deep inside yourself and see if your time at Toronto Museums and Heritage Services was actually productive or just simply self-serving. Your self-absorbed post of haircuts, clothes, and food, remember your excessive purchase car expenses," I'll get into this in a second, "illustrate your contempt for the high-minded ideals that you espouse." So this is exactly what we experience, right, when we try to do the work and we try to share authority. But let's unpack this a little bit more. So in the year that I was with the Toronto History Museums, I engaged with all of these communities and more, communities that had never stepped foot in the museums. So the Black and Artists in Dialogue Network, the Franco-queer, the Francophone community is a community that had never been engaged by the Toronto History Museums before I arrived because they didn't have anyone who spoke French. Sex workers, Latinas Positivos, which is also a community I belong to, which is the Latin American migrants living with HIV, also were engaged into this process. Toronto Kiki Ballroom Alliance, the disabilities movement as well. All of these communities started to take the museums as their own and they started to use their spaces. They started to do their weekly practices. They started to do all of these different things. So we did all of these different projects. I'm not gonna go into details because I don't have any more time, but these are some of the things that we did in that 1 year, which was self-serving, right? Also, the excessive purchases that they mentioned, it was, well, all of it is public record, so anyone can ask to see my credit card purchases. And all of that, and when if they ask for that, they're going to see that all of that was actually to pay for the community work that I was doing, to buy food for people, to buy them lunches, to buy them dinner, because they were giving me their time, and to go and meet with communities. Again, about the clothes. I'm just gonna go into there and says, you know, like I just want to use Hector Dominguez Rubalcaba as well. And he talks about in his book, Latin American Queer.
Everything that was not masculine, everything that was feminine, was attributed to the conqueror other, who in the eyes of Europeans were equated to femininity and sodomy. This way of thinking linked Spanish conquistadors to Catholicism and heteronormativity. Indigenous peoples were immediately mocked and persecuted because of the recognition of other forms of gender expression and sexuality that existed outside the European gender binary. I am a mestizo, so that means that on my dad's family, we are Nahua, and on my mom's family, we are colonizers. So I am both. And when I wear things like this, I'm doing it because I'm sending a signal that other people who are like me, that they also have the right to be in these spaces. I wear queer, I wear indigenous designers because I'm also sending a signal, because I'm also a walking exhibition. And I want to make sure that people see that. And I know that that makes people uncomfortable, but I know that it makes my people feel seen. Am I alone in this? No, I'm not. So as vice president of the Canadian Museums Association, I have been approached by about 20 people, BIPOC leaders from across the museum sector in Canada. All of them have left, like I said, their positions because of very similar reasons. So this is happening to all of us. We're not that many. And the fact that 20 of us have left says a lot. We're dropping like flies out of these institutions and no one is talking about it. So there was a lot of media around Greg, but what about everyone else? What about what's happening to all of us? So what have I learned from all of this? I wanted to use as well the words from another friend, an Indigenous curator from Guatemala as well. And what she says is that, yeah, I think I've experienced that as well in my body, that they want the institutions, right, the museums, they wanted my body in the museum. They wanted to exhibit me like they exhibited my ancestors, but they didn't really want to hear my voice. And so that's exactly how I feel. That's exactly how I felt since I've started working in the museum sector. And that's also how I feel about sharing authority with all of you. So I leave you with that. And I leave you with that question for you to go back home and to think about the way that you are sharing authority in your institutions and the way that you say here in front of all of us that you're sharing that power and that authority with us. Because to me, that's not the case. To me and to all those other 20 museum professionals across the country who had to leave their jobs, not because they wanted, that's not the case. So just to end, we have also launched a survey on diversity, on leadership diversity through the l'Association de Musée Canadien. And so we're asking people not only to tell us the number of people who are, you know, in leadership positions, but we're also asking them, like you said, Pascal, what is the retention rate? What are the reasons that are making people leave as well these positions? Because we want to start showing the data. We want to start also trying to do the research and find those solutions. Déjà, on a un commentaire, donc qui n'est pas une question, suite à la présentation donc, de Armando, de Gabriel Harrison, qui écrit donc « Merci pour cette transparence. J'expérimente également des enjeux au quotidien. Il faut le nommer. » Maintenant, donc, je vais partager la question de Noémie Ménien, qui a écrit un texte. Je le lis. Bonjour, merci pour cette journée très intéressante. Les politiques EDI sont un levier important dans les transformations des pratiques au musée, mais soulèvent parfois des enjeux éthiques et requièrent des bonnes pratiques de gestion. Comment procédez-vous au musée McCord pour évaluer la diversité à l'interne? Ces modes de sondage respectent-ils un principe d'autodétermination? Et comment cette diversité, lorsqu'elle s'étend à la diversité capacitaire, handicap, neuroatypie, etc., ou des minorités de genre ou sexuelles, est valorisée dans le respect de la protection des données et de la vie privée des membres du musée? Alors, effectivement, c'est un formulaire qui fait partie du processus d'embauche, au moment de l'embauche, en fait, et c'est effectivement sur une base volontaire, là, donc il n'y a personne qui est forcé de répondre quoi que ce soit, bien entendu. C'est évidemment anonyme aussi, comme on s'en doute, et ça comporte des questions sur... Le genre, l'identité de genre, plutôt, effectivement, les questions d'handicap. Là, par contre, pour la neurodiversité, je ne saurais dire, je me souviens pas précisément du libellé, les questions aussi d'appartenance à des communautés ethnoculturelles.
Et c'est conservé, ben oui, de façon très... Ben d'abord, c'est anonyme, là, donc il n'y a pas d'enjeu comme tel de data. Et on fait un bilan, en fait, de l'avancée par rapport aux différents objectifs qu'on s'est donnés, donc des cibles, aux 6 mois, en fait. Donc, de voir comment il y a une évolution par rapport à ça. En même temps, on n'est pas une grosse équipe, là, je veux dire. Les départs et les arrivées sont assez faciles à suivre, je vous dirais. Mais n'empêche que comme on ne connaît pas nécessairement toutes les données, donc qui sont les gens qui ont répondu, des réponses variées dans ces questions-là, ben évidemment, ça nous permet d'avoir une évaluation de ça. Alors, c'est une réponse assez simple, là, mais je pense que ça répond bien. Il y a une deuxième question qui, je crois, vous est aussi adressée. Bonjour à tous. J'aimerais, de Sylvie Paré. Bonjour à tous. J'aimerais en savoir davantage sur l'évaluation du processus suite à l'exposition Voix autochtones du musée McCord. Quels sont les points positifs et ceux à améliorer? Est-ce que le comité autochtone y participe? Merci. L'évaluation, le bilan dont je vous parlais, en fait, là, je ne sais comme pas où vous regardez, si je regarde la caméra ou je regarde, comme c'est une question qui vient du public, je regardais la caméra, j'imagine. En fait, Jonathan serait même capable peut-être mieux de répondre à cette question-là pour le bilan. Je peux peut-être résumer de façon générale et tu te permettras peut-être de compléter, Jonathan, si tu veux bien. Donc, le bilan était fait de la façon que je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, on a utilisé pour cette exposition-là un espèce de modèle là, qui s'assure qu'on répond à différentes questions, autant sur les processus internes qu'externes. Et évidemment, Elisabeth Kane y prenait part, bien entendu. Mon Dieu, ça fait vraiment curieux de parler comme ça. Elisabeth était présente et donc a participé de façon très active à cette évaluation-là qui a été faite du projet. Quant aux points positifs et négatifs, j'avoue que j'ai vraiment pas les résultats en tête comme ça. On était, de façon générale peut-être, et c'est là que Jonathan, tu pourras peut-être compléter au besoin, il y a des éléments dans le processus, dans les façons de faire qu'on s'est dit qui ont été en fait peut-être difficiles de part et d'autre, donc de s'entendre sur les façons de procéder. Et je pense qu'il y a un point qui ressortait tout particulièrement du côté d'Elisabeth, entre autres, c'était quand est venu le moment de décider de la façon dont les propos seraient rapportés. Alors, je vous rappelle, Voix autochtone d'aujourd'hui, pour ceux qui sont moins au courant, a été basée sur une recherche qui a été faite à travers la province, et qui regroupait, en fait, qui a interrogé 800 personnes provenant des différentes nations autochtones. La parole a été captée par vidéo, par témoignages écrits également. Après est venu le moment de mettre ça en forme pour une exposition. Il y a eu vraiment des défis, des discussions quant à comment s'assurer que le message gardait la forme souhaitée. Et non pas prenez un format muséal prédéterminé selon nos façons de faire habituelles, par exemple. Donc ça a été des choses qui ont été notées, entre autres. Mais de façon globale, de toute façon, il y a eu différents articles qui ont été publiés où je pense qu'Elisabeth était très transparente en disant que c'est un processus qui n'est pas facile mais on est, dans notre cas, en tout cas, très satisfait du résultat de voir que l'exposition porte le nom « Voix autochtone d'aujourd'hui ». C'est vraiment la voix, donc les témoignages des communautés autochtones qu'on note. C'est eux qui ont choisi, c'est elles plutôt qui ont choisi aussi quels étaient les propos à dire de leur propre culture, quelles étaient les thématiques à couvrir. Et avec la vigilance d'Elisabeth, je pense qu'on a réussi à se rendre jusqu'à les rendre de façon aussi représentative là, de ce qui était vraiment souhaité au départ. C'est comme une longue réponse, là, mais j'espère que j'ai bien cerné la question. Bien, je pense, Pascal, t'as bien couvert. Je veux juste souligner, mais comme tu l'as bien dit, Elisabeth, jusqu'à sa dernière entrevue qu'elle a faite dans Le Devoir 2 semaines avant son décès prématuré, elle faisait encore état de cette résistance-là qu'elle rencontre depuis toujours, tu sais, depuis toujours qu'elle travaillait dans ce domaine-là. Mais elle voyait aussi de beaucoup de progression, beaucoup d'avancement. Elle voyait que les institutions se transformaient tranquillement. Et oui, ici aussi, elle a rencontré de la résistance.
Puis je pense que ça fait partie de la game, dans le sens que c'est triste, mais on est encore en train de changer les institutions. Donc oui, il y a eu de la résistance, mais ce qui est important de souligner, je pense, c'est qu'il y a eu négociation, il y a eu discussion et il y a eu changement. Parce que c'est ça aussi d'aller chercher une conservatrice autochtone pour faire une exposition dans une institution, c'est aussi... Moi, je dirais, c'est ouvrir la porte à la critique et donc au changement. Et c'est ce qui s'est produit. Puis je pense que c'est ça surtout qu'il faut applaudir. On a une institution qui, où tout le texte est écrit au nous. Apparemment, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très populaire dans les autres institutions. Donc, la gestion a accepté de faire la place littéralement à toutes les voix autochtones. La voix du musée est pratiquement absente finalement. Donc ça, il faut applaudir ça. T'sais. Le texte aussi a été reçu par la... direction comme étant un peu très lourd, en fait, toute la section 2, là, qu'on l'appelle la section trauma, qui raconte des histoires très difficiles. Mais ils n'ont jamais dit à Elisabeth, écoute, mets un petit peu de rose et un petit peu de fleurs dans ton texte parce qu'on va faire pleurer les gens. Ils n'ont pas dit ça. La gestion a accepté de suivre donc le processus de commissariat autochtone externe jusqu'au maximum. Puis moi, c'est ça que je préfère souligner. Mais bien entendu, il y a eu un travail à l'interne, il y a eu des tensions et tout ça. Et puis tout ça, c'est noté dans notre bilan qui est disponible à tous. Bon, écoute, ça c'est pas un document de référence qu'on lit à chaque semaine le lundi matin, mais c'est là quand même, puis on peut s'en inspirer. Et heureusement, ben on va vouloir faire différemment par la suite. Et pour terminer, il y avait une sous-question qui demandait si le comité autochtone avait été informé de ce contenu-là du bilan. La réponse est non. Pas parce qu'on veut le cacher, c'est parce qu'on trouvait que ça, peut-être ça les intéresserait pas, mais on peut toujours le partager avec eux. Comme je disais tout à l'heure au début, quand je présentais, nous, le comité autochtone, on veut être transparent, on veut les aviser, les consulter, les informer, mais en même temps, il faut pas les surcharger non plus, fait qu'on sélectionne un peu qu'est-ce qu'on pense qui pourrait les intéresser. Je finirais peut-être en disant que le comité consultatif autochtone n'existait pas au moment de la création de l'exposition. Il a démarré, en fait, à peu près au moment du lancement. Donc, évidemment, s'il existait auparavant, fort probablement qu'il aurait été, en tout cas, consulté à l'occasion. Vous avez dit que la voix du musée était absente. Deux choses, on veut les protéger, on ne veut pas trop les donner étranges. Comment la voix d'un musée peut-elle être absente alors qu'elle gère une exposition? Comment, au sein d'un musée, il y a une expo sans que le musée n'a aucun regard sur l'expo? Comment la voix du MECOD a été absente dans cette exposition? Bon, OK. Bien sûr que le musée conserve un certain regard sur... parce qu'on a des contraintes. On a des contraintes, on ne peut pas tout faire. On a une contrainte de mots, on a une contrainte de budget, on a un historique, on a un look and feel, on a tout ça. C'est pour ça qu'on parle de co-création aussi. En fait, j'aurais dû préciser la voix du musée dans les textes, parce que les textes, littéralement, ils ont été écrits par Elisabeth. Donc, au niveau des textes, le musée n'est pas... De mémoire, là, on est une équipe qui l'avons toute relue, mais je ne me souviens pas d'avoir vu de la censure. S'il y a une voix du musée, c'est parce qu'Elisabeth était moins à l'aise sur certains textes de nature historique, puis moi, je les connaissais davantage. Alors là, par exemple, pour décrire la loi sur les Indiens ou les pensionnats indiens, donc ce qui était plus descriptif, factuel, c'est moi qui les rédigeais. Mais sinon, ce sont les textes d'Elisabeth. Les textes n'ont pas été co-créer. Mais c'est bien vrai. En fait, c'est vrai. Il faut faire attention aux mots, c'est très important. Et clairement, c'est un exercice de co-création. Et donc, le musée a co-créé avec Elisabeth. On n'a pas donné des murs vides et on a dit à Elisabeth, amuse-toi dans ton carré de sable. Non, c'est pas ça que ça prend. Merci. Ma question, c'est peut-être pas nécessairement juste pour ce panel, mais peut-être pour toutes les personnes qui ont présenté. J'ai trouvé ça très curieux qu'on ne parle pas à date, peut-être sauf dans votre présentation, Mardo, sur quand on parle de partage de pouvoir, on ne parle pas de l'inagilité qui existe dans ça. Comment on prend les décisions quand tout le monde n'est pas d'accord? Est-ce que c'est vraiment 50%? Est-ce que c'est un vote? C'est quoi les structures qu'on est en train de créer quand on parle partage? C'est pas tout le monde qui vient à la table avec les mêmes ressources, qui est tout payé quand on parle de collaboration avec la communauté. Alors, on est tous dans des situations différentes, puis on a présenté le partage comme vraiment comme une utopie
présentement, à date, là, peut-être. Et on ne parle pas de les conflits. Qu'est-ce qu'on fait quand le monde n'est pas payé? Qu'est-ce qu'on fait quand le monde n'est pas capable de trouver une réponse ensemble? C'est qui décide? C'est qui vraiment qui a le pouvoir? Alors, j'ai juste trouvé ça un peu curieux et je te remercie, Amanda, pour ta vulnérabilité avec nous. Parce que c'est quelque chose que, pour moi, il manquait beaucoup dans cette journée. Peut-être que les personnes voudraient adresser ça. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on ne parle pas de ça parce que les institutions ont peur de reconnaître ça. Parce que d'habitude, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va aller essayer de protéger l'institution quand il y a des conflits. Immédiatement, on va essayer de taire les gens, de dire ben, ou de les sortir du projet, ou de dire ben, le projet ne fonctionne plus comme ça, ou... Alors, c'est toujours, toujours l'intérêt de l'institution qui est en premier, tout le temps. Et on va, comme j'ai dit, on va perdre des employés, on va perdre la confiance des communautés, des gens. Ben, moi, je devais parler avec des communautés pour dire, ben, le projet ne fonctionnerait plus, et l'institution veut qu'on fasse quelque chose de différent, on va prendre plus de temps parce que ça requiert plus de ressources. Et c'est nous qui doit faire le travail tout le temps, d'aller faire face aux communautés, puis de communiquer, quand il y a des conflits, c'est à nous de faire le travail de l'institution. Puis l'institution va juste essayer, comme je dis, de se protéger. Et pour moi, c'est ça vraiment la chose qu'on doit commencer à parler publiquement, puis qu'on doit essayer de trouver des solutions aussi avec des communautés, pas juste de l'institution. Moi, comme je vous disais, là, j'arrive tout juste à la ville de Montréal. Je comprends les structures de pouvoir qui sont en place. Il y a des termes qui sont très forts hein, dans des structures comme ça. Les élus de la ville de Montréal délèguent des pouvoirs aux gestionnaires. Il y a des pouvoirs très précis qui nous sont délégués. On a des pouvoirs, on a des responsabilités. On est légalement responsable de certains aspects à l'intérieur de l'institution. Je me demande si le partage d'autorité, ça fait... Bon, moi, je trouve que ça fait un petit moment qu'on en parle, mais bon, peut-être plus en sciences humaines, en histoire orale, etc. Je me demande s'il ne faudrait pas revoir les façons dont on réfléchit à ça, puis s'il ne faut pas inclure dans nos réflexions un partage des risques aussi, puis des responsabilités. Je pense que tant que l'institution va être seule garante ou seule responsable du risque et responsable de la responsabilité, il va y avoir une frilosité à partager le pouvoir. Puis, tu sais, tu disais, je m'excuse, je te tutoie, bon, est-ce que les gens sont rémunérés? Tout ça, c'est absolument nécessaire. C'est impensable aujourd'hui de faire appel à des comités consultatifs, à des experts externes, à des experts citoyens, citoyennes, sans les rémunérer. C'est inacceptable. J'espère qu'il n'y a aucun musée qui fait encore ça, parce que franchement, on est plus l'air. Hein? On paye n'importe quel participant, n'importe quel consultant. Je vois pas pourquoi on paye pas des citoyens, mais j'aimerais ça peut-être. En tout cas, moi, pour la biosphère, dans les structures qu'on met en place, je me questionne sur le partage du risque aussi. Peut-être qu'on peut... Comment on partage le risque qu'un projet échoue puis qu'on n'a rien d'intéressant à présenter au public à la date prévue? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être que c'est le processus qu'il faut mettre de l'avant. Est-ce qu'on accepte que le processus ait un résultat qui est nul, ou qu'on arrive devant un constat de conflit et d'échec, ben ouais, peut-être que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, mais ça implique de rééduquer nos je déteste ce mot-là, je m'excuse. Ça implique d'avoir une façon de présenter ça au public aussi. Puis là, on tombe dans un discours méta, puis est-ce que ça intéresse une famille avec ses enfants le dimanche après-midi? Je sais pas. Donc, voilà. Mais comment on fait, Armando? Comment on fait pour accueillir des gens qui sont différents de nous, différents de la majorité, puis de créer des espaces dans lesquels ils se sentent bien. Puis quelle partie de notre pouvoir on doit laisser aller? Je n'ai pas une réponse pour ça, mais je vais te dire c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est ce que je fais. Moi, j'ai eu assez des institutions, alors moi, je vais rester dehors des institutions. Mis ensemble avec des amis, des gens qui sont comme moi, qui ont parlé aussi dans ces institutions, puis qui ont fait tout le temps les défis des institutions, puis on essaye de faire des ponts entre communautés noires, autochtones, LGBTQI, ici au Canada, en Amérique centrale, Mésoamérique, pour créer des espaces autonomes pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Parce que vraiment, à ce moment-là, on ne croit pas qu'on peut
existé dans les institutions. Stanley fait partie de ça, Laura aussi, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Heather George qui est présidente aussi, il y a beaucoup de monde qui ont s'est mis ensemble parce qu'on ne peut pas trouver des espaces safe, sécuritaires dans les institutions en ce moment. C'est trop. Honnêtement, c'est trop. On a eu assez. Alors, je n'ai pas de réponse. Moi, les conflits, ça me plaît beaucoup. J'en fais toute une recherche. Donc, mais à part cela, je voulais nommer encore quelque chose qui n'a pas été nommé. Armando nous a raconté ce qu'il a vécu. Mais dans les catégories aider idées, dans les politiques aider idées, on joue beaucoup aussi au but émissaire dans les institutions. Donc, ces personnes-là représentent un risque, mais un risque qui peut être mis à la porte. Et c'est quelque chose qu'on ne nomme pas assez. Il n'y a pas de réponse encore. On va les trouver certainement ensemble, quelque part, dans le futur. Mais la question de la tokenisation reste, et reste très importante et très présente. Et la raison pour laquelle on tokenise, c'est parce qu'on ne considère pas que l'autre doit être défendu autant que l'institution. Donc, on revient sur des dynamiques de pouvoir qui met l'institution avant. Guylaine Picard l'a dit ce matin, Justine Picard l'a dit ce matin, on met la dignité de l'institution, en citant Elizabeth Kane, on met la dignité de l'institution avant la dignité des gens. Et ça, c'est une absurdité du monde dans lequel on habite. On pense qu'une institution vaut plus que les gens qui la créent.